Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis le petit frère de... je suis son petit frère et tout ça. On va regarder quel héros dirige le temps. C'est Speed, Heure, Man. C'est rapide, Heure, Laser et Man. Voilà. Spider-Man. Comme Lucas l'a dit, aujourd'hui on va aller regarder Spider-Man. Ouais. Into the Spider-Verse. C'est quoi le nom en français? C'est New Generation, un truc comme ça, non? C'est trop bizarre. Bref, on va aller voir ce film et aujourd'hui on va vous donner nos impressions sur ce film. Bon, j'ai entendu dire qu'il est pas mal, il y a des gens qui m'ont dit l'effet BD, un peu animé 3D, c'est pas mal. Du coup, Lauriane, tu t'attends à quoi? Je m'attends à un truc joli et une histoire. Merci. Toi, moi j'attendais que Thanos va rentrer dans le film. Mais Thanos, il va pas rentrer dans le film. Thanos? C'est le mauvais film avec un Spider-Man. Avance. Non. On est arrivé au ciné, au Bercy Village et on va aller regarder. T'es content Lucas? Qu'est-ce que t'as pris? Moi je t'ai mis tes doigts. Par contre, pas le placement produit. Sinon, c'est plein de placements produits, mais gratuits. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après, j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Voilà, le film est terminé. Alors, première impression. C'est trop trop bien. Ouais. Oh man. Hey, je vous conseille de regarder, c'est bon. Ouais, pour de vrai, le film était vraiment très très bien. Je vais pas spoil, mais en gros... Non, je... Qu'est-ce que tu penses, Lauriane, de l'effet BD 3D? C'était pas en 3D, hein. Si, c'est bon. Non, c'était juste de la BD. Oui. C'est la BD, non, l'univers, il fait tout. Donc moi je conseille à tout le monde d'aller le voir, aussi bien les petits que les grands, allez-y en famille, allez-y avec des amis. Allez-y en amoureux. D'ailleurs pour ceux qui trouvent que le ciné c'est trop cher, il y a toujours Ciné Day, c'est-à-dire avec Orange, vous avez une place achetée, une place offerte. Le mardi. Le mardi seulement. Mais seulement si vous avez une box chez Orange.